chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cet endroit, mes chers amis voyageurs spirituels. Vraiment, quel bonheur de vous retrouver, comme de toute façon à chaque live. Moi, j'ai un goût et un plaisir infini à vous retrouver, à rencontrer aussi des personnalités qui me font l'honneur de passer par ici. Et ce soir, je vais vous dire que ça va être du lourd. On va passer un moment absolument délicieux, comme ça je lui mets pas du tout la pression. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de cette personnalité que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, avant cela, bien sûr, c'est à vous que je m'adresse. Merci aussi de nous faire l'honneur d'être là, de prendre du temps aussi sur votre vie, sur des choix que vous faites. Et je pense que ce soir, vous avez fait le bon choix d'être là. Je vous laisse le temps de vous connecter. Bienvenue à vous qui nous suivez sur YouTube. Sur Facebook aussi, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Voilà, que vous dire de plus, qu'il est grand temps que nous accueillions notre invité. C'est même plus une invitée mystère parce que je l'ai crié haut et fort, que j'étais super content qu'elle soit là. J'ai trouvé au cabinet, je sais que j'en ai plein d'autres, mais ils doivent être à la maison, les petits oracles qui vont bien, les petits bouquins qui vont bien. On va parler de tout ça, mais pas que. Il s'agit, mesdames, messieurs, d'Isabelle Serre, que j'ai le grand plaisir de rencontrer. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, la pression là. Je dis toujours qu'en général, je démarre très très fort en matière d'énergie, mais ça se pose un peu, sois tranquille. Merci en tout cas d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Bien oui, parce que je l'ai dit sur les réseaux, on te voit partout, on ne peut plus passer à côté d'un moindre rayon sans voir Isabelle Serre d'une certaine façon. Tu as envahi le paysage. C'est un compliment. Hein. Bah oui, tu commences à prendre de la place parce que c'est-à-dire que tu produis et puis il y a du monde qui est en face et qui adore. Donc, c'est génial. Je te félicite vraiment pour ça. Et même si du coup, on ne voit pas mes bouquins, ils sont toujours cachés derrière. Je suis obligé de te virer de temps en temps pour récupérer un centimètre ou deux. Oh non, pas elle encore. Et puis, on te voit même à la télévision. Bref, on va parler évidemment de tout ça. Je vais te poser une première question classique que je pose à tous mes invités. Et tu vas devoir faire un effort important pour commencer. Je vais te demander de me dire simplement ce que tu fais dans la vie et en évitant de te mettre dans des cases. En plus, tu n'aimes pas trop ça. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement dans la Alors, vie. Non, mais j'ai deux mots, autrice conférencière. Alors, ça reste des cases, mais des belles cases, hein, tu te présentes sous cette appellation-là. Ok, avec donc la production d'ouvrages, d'oracles, tu fais des conférences, mais selon toi, donc c'est une sous-question du coup, qu'est-ce que tu penses vraiment apporter aujourd'hui aux gens ou à l'humanité, peut-être. C'est ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça, en fait. C'est, Moi, mon but, déjà, alors j'en ai deux. J'ai deux grands buts dans la vie quand je me réveille le matin, parce que déjà, je n'ai pas la sensation de travailler. Moi, je suis attirée par la spiritualité depuis que je suis toute petite. Ça mange les tripes, les questions de la vie, etc. Ça mange les tripes depuis que je suis toute petite. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait utiliser la spiritualité ou les outils spirituels énormément pour se fuir soi, fuir les autres, catégoriser soi, catégoriser les autres. Je me suis dit waouh, mauvais bail, parce que moi depuis que je suis toute petite, je cherche le sens de la vie. Quand j'étais petite, j'étais très en colère contre la vie. J'ai fait pleurer mon père en disant « Mais pourquoi tu m'as fait naître? La vie, c'est de la merde. Comment tu peux m'expliquer qu'on soit si complexe et qu'on vive si peu de temps ?» La cruauté du monde aussi me m'horrifiait. Elle m'horrifie encore aujourd'hui, hein, certains jours. Et en fait, je me rendais compte que tout le monde cherchait la liberté, voulait être indépendante et indépendant. Et ça aussi, ça m'a énormément marqué parce que j'étais fan d'histoire et qu'en fait, on allait toujours vers des situations, des relations où on se mettait des boulets aux pieds, aux mains. Donc, je bégaye en fait. Et mon grand but, c'est d'une part, apporter des outils spirituels parce que j'adore créer. Moi,
une droguée d'inspiration, je suis une droguée de création. Donc là, il y a une petite part égoïste, on va dire, dans le fait de créer, parce que je me fais beaucoup de bien à moi aussi. Mais d'autre part, c'est d'apporter des outils pour que les personnes puissent créer leur propre liberté, leur propre indépendance de faire, d'être, de penser et de ressentir. C'est pour ça qu'à chaque fois, je parle vraiment d'outils, mais moi, je crée la boîte à outils, tu l'ouvres, tu en fais ce que tu en veux, et ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois en faire, quoi. Ouais, merci pour tout ça. C'est vrai que ma question, c'était, et tu as répondu, c'est au fond, c'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Pourquoi tu te lèves le matin? Donc, c'est cool, on l'a compris. Et d'autant plus que tu n'as pas l'impression de travailler, ce qui est quand même une bonne chose. Grande chance. C'est une très, très grande chance. Ouais, c'est vrai que c'est une chance. Enfin, j'ai du mal avec cette idée de chance. Est-ce que c'est une chance ou vraiment tu t'es construit, tu as... Enfin, il y a du travail derrière, quoi. Hein. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. T'as vrai, quoi. Hein. En fait, on va dire que par rapport à ce que je fais, il y a beaucoup l'éducation de mon père qui a été marquante. Mon père ça a été énormément la culture du travail. C'est-à-dire que si je ramenais un 15, t'aurais pu ramener un 16. Donc il y a toujours eu ce truc de travail. Et l'autre, un peu moins fun, c'était ma première belle-mère qui me répétait tout le temps que j'étais une bonne à rien. Mais tout le temps. Et ça a créé une forme de mais en fait, meuf, j'ai des capacités, j'ai des compétences et je vais te prouver en fait que je suis pas une bonne à rien. Et ça, mon enfance aussi a créé cette pulsion de vie, mais surtout cette pulsion de liberté. Moi, je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans et demi. Cette pulsion de créer ma propre vie. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a créé ce besoin de créer, en fait. Je déteste partir sur quelque chose de déjà fait. Tu vois, je suis incapable de faire un deuxième truc sur la base d'un premier. J'ai toujours besoin de partir de zéro. Et chacune de mes créations, je pars toujours de zéro. Tant dans la création et la construction, mais également dans l'accueil. Je ne prends jamais rien pour acquis. C'est-à-dire que c'est pas parce que un de mes oracles a fonctionné, que tous les autres fonctionneront. À chaque fois, je repars toujours de zéro. Et j'aime ça, en fait. Repartir de zéro, on se renouvelle, en fait. Tu m'as l'air d'être quand même sacrément besogneuse. Hein. Je suis depuis longtemps. Alors, peut-être je me trompe, ça se trouve, je vois de toi quelqu'un qui a l'air de vraiment bosser, beaucoup. Non, je travaille tout le temps. Oui, c'est ça, on est d'accord. Ça donne, en tout cas, ça se voit, il y a une sorte de pulsion de la vie relativement présente chez toi, je trouve. C'est plutôt hyper plaisant. Est-ce que tu crois que, justement, cette pulsion, elle est toujours présente dans l'idée de venir toujours démolir cette croyance qui était « tu es bonne à rien », est-ce qu'il y a encore toujours ça qui est là, selon toi ? Alors, moi maintenant, parce que avec l'âge, j'intègre une certaine forme de sagesse et d'amour de moi et d'estime de moi, etc. Mais toujours ce besoin de démolir, parce que maintenant, en fait, c'est autre chose que j'ai besoin de démolir, c'est ce que moi, j'appelle la spiritualité doudou. Donc, il y a toujours ce besoin, toujours de remettre apporter une autre façon de voir et une autre façon de faire, parce que genre chacun pense et fait et ressent ce qu'il veut, mais qui ne dit rien qu'on sent. Donc vraiment apporter une autre façon de voir les choses et vraiment aussi donner cette envie de se découvrir, cette envie de faire comme on veut, cette envie de se faire confiance. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes rentrent dans la spiritualité dans un état de vulnérabilité. C'est très souvent, et ça je l'ai vu, hein, on ne rentre pas dans la spiritualité parce que tout va bien et on va trop bien et on ne veut que être paix, amour et lumière. Il se passe souvent quelque chose et cet état de vulnérabilité, il n'est pas toujours respecté par les personnes dites spirituelles. Et en gros, on va transformer la peste en choléra. C'est-à-dire qu'une souffrance, on va la transformer en dépendance. Et moi, c'est ça que je combats même aujourd'hui. Moi, j'adore hein, cette vision que tu as de la spiritualité. Pour ceux qui me suivent, parce que moi, j'ai bloqué un peu parce que j'ai 50 questions qui arrivent en même temps. La gare de triage n'était pas très opérationnelle. C'est une erreur de connexion, Frédéric. Non, il bug. Ah, vache.
Et en plus, je fais gaffe parce qu'effectivement, visiblement, le Wi-Fi n'est pas de meilleure qualité au moment où je te parle, mais pour l'instant, ça marche bien. Mais c'est plutôt moi là-haut qui a bugué un peu. J'allais dire justement, pour ceux qui me connaissent ici, bien sûr, savent très bien à quel point je défends, mais aussi avec beaucoup de vigueur, cette vision d'une spiritualité extrêmement libre, attentive et libre, plutôt que d'être suiveur de quelqu'un, suiveur de quelque chose, d'ailleurs, ce fameux libre arbitre, c'est très important pour moi, pour toi visiblement aussi. Et puis, et là, il y a une question qui arrive, quand même, ou une réaction peut-être, c'est que moi, j'ai quand même le sentiment que la spiritualité, c'est tout sauf quelque chose de facile, de lisse, de lumineux en permanence. Moi, j'ai l'impression d'en avoir chié quand même joyeusement pour arriver à cet espace de liberté qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors, je ne sais pas quel est ton regard de ça. Qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces personnes qui, d'ailleurs, parfois, je n'ai pas que des amis, hein, et puis je m'en fous pas mal, cela dit, mais qui ne voient la spiritualité que par, justement, moi, je parle de bisounours, d'arc-en-ciel, toi, tu as employé un autre terme, je l'ai déjà un peu zappé. La spiritualité, doudou. C'est drôle Doudou, ce que tu dis parce que un de mes mantras en ce moment, c'est l'équilibre, c'est accepter le chaos. ouais. Tout est une question d'équilibre. Et dans le mot, j'adore cette punchline. Dans le mot équilibre, il y a le mot libre. Et pour moi, la spiritualité ne peut pas être lisse et facile parce que nous ne sommes pas des êtres lisses et faciles. On est des êtres complexes, bourrés de paradoxes. Donc, notre avancée, n'importe qui, elle sera toujours complexe et paradoxale. Dans ce paradoxal, c'est accepter que dans ta vie, tout le temps, tu feras des pas en avant et des pas en arrière. Il y aura des moments où ce sera hyper facile et d'autres où tu auras l'impression que chaque journée, tu es bloqué en bas de la montagne, en fait. Et pour moi, créer son bonheur, créer son bien-être, c'est accepter tout ça. C'est accepter notre imperfection. Donc, tu t'as fait des boulettes hier, t'en fais aujourd'hui, t'en feras demain, comme n'importe qui. Accepter l'imperfection du monde extérieur. Se déconstruire cette notion, on l'a entendu pendant le premier confinement, de l'ère du Verseau et tout sera beau, lumineux et pia pia pia. Non, non, ça n'existe pas ici. Ici, c'est la merde. Et le but, c'est vraiment de s'adapter à cette merde. En fait, on ne peut faire que ça. Mais quand tu as compris ça, t'intègres le lâcher prise. Tu te fais une mauvaise journée, tu ne vas pas ruminer dessus pendant 48 ans. Et surtout, chaque moment de bonheur, tu vas le choper. Tu vas le choper et tu vas le savourer. Et par rapport à notre partie sombre, comme tu en parlais, on ne peut pas se libérer de notre partie sombre. On ne peut pas se libérer de nos blessures. Par contre, on peut créer une nouvelle relation avec elle. C'est-à-dire qu'on peut de nouveau créer un équilibre. Et rappelez-vous aussi ça, et c'est très important, plus tu vas chercher à libérer quelque chose, plus au final tu vas chercher à le fuir et plus tu vas renforcer sa force. Parce que si tu ne veux pas le regarder en face, tu sais, c'est le monstre quand on était petit sous le lit. On voyait un petit bout de jouet qui sortait du lit, mais vu qu'on n'osait pas regarder que c'était un jouet, on s'imaginait que c'était un monstre horrible, etc., qui voulait nous bouffer. Et bien, tout ce que l'on fuit en soi, ce petit bout de jouet qui dépasse au-dessous du lit, on le transforme en un véritable monstre. Notre partie sombre, nos parts d'ombre, nos failles, ce ne sont pas des monstres. Ce sont des parties de nous qui ont souffert et qui ont besoin d'ailleurs d'être regardées et d'être aimées. Donc ne cherchez pas l'imperfection, ne vous en voulez pas d'être imparfait, ne croyez pas les personnes qui vous disent qu'elles ont tout compris, qu'elles sont parfaites, qu'elles sont libérées de tout. Elles peuvent se mentir à elles-mêmes et donc elles vous mentent par ricochet. Ça n'existe pas. Nous sommes des êtres faillibles, complètement déglingués et on fait le maximum avec les moyens qu'on a. Ouais, c'est vraiment. J'ai la même vision que toi là-dessus, cette vision qui est très transpersonnelle, hein, cela dit, de l'être qui fait comme il peut pour être à l'acceptation de toutes ses parts, hein, parce que c'est Assad Jolie, hein, qui disait ça. On a des parts qui nous permettent d'évoluer spirituellement, on a des parts des fois qui pensent les atrocités les plus dégueulasses, et Ça. c'est bienvenu, quoi. Bienvenue à ça. C'est pas toujours facile à faire, hein, bien sûr, C'est le mais travail de toute une vie en fait. ouais, je crois que c'est. Est-ce que tu crois
Alors attends, j'ai deux questions. Une un peu neuneu qui est, tu parlais des monstres et des jouets, etc., de jouets qui dépassent. Est-ce que quand même, quand tu as le pied qui dépasse du lit en dehors de la couette, tu as tendance à le remettre vite fait pour ne pas te faire manger? Jamais, c'est la meilleure sensation de la terre. Un pied sous la couette, je suis normande. Moi, le moite-moite, c'est ma passion. Sous la couette, au-dessus de la couette, et c'est là où tu dors le mieux. Eh bien, écoute, je suis normand aussi à 100%, tu vois. C'est fou, ça. Moite-moite. C'est ça. Le fameux peut-être ben oui. Et puis, la deuxième question, qui est quand même un petit peu plus sérieuse, c'est est-ce que tu penses que il y a des êtres aujourd'hui vivants, hein pas des guides, des êtres vivants, qui ont justement un moi, on va dire, qui est entièrement spirituel, c'est-à-dire que eux, c'est comme s'ils avaient cheminé suffisamment pour accueillir avec de l'amour, rien d'autre, toute leur part. Est-ce que tu penses que... J'y crois pas parce que même si on est l'âme la plus pure, en s'incarnant dans un corps, tant que tu es incarné dans un corps charnel, tu expérimentes l'imperfection. Alors après, tout est une question de nouveau d'équilibre, d'intensité, de récurrence, etc. Mais tu expérimentes l'imperfection. Donc, elle peut être l'intensité ou la répercussion de sa partie sombre d'une personne peut être très faible, mais elle sera toujours là. Ces personnes, même si elles sont paix, amour et lumière, tu prends par exemple les moines qui méditent en haut de l'Himalaya, il y a des journées, c'est sûr, où ils ont une mauvaise journée. Pour moi, on ne peut, ça ne fait pas partie du contrat. Tu peux être l'âme la plus évoluée ici, tu as le corps physique, tu as les émotions négatives, tu as la partie sombre, c'est là. Le but, c'est de l'accepter et de ne pas voir son côté imparfait comme un manquement spirituel, tu vois, ou quelque chose qui t'éloigne de ta spiritualité. Faire juste, ça fait partie intégrante de toi. C'est OK, ça fait partie de toi. C'est comme une main, tu vois, tes mains, elles font partie de toi, ben là, c'est pareil. Et le but, attends, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on a un échange presque intelligent. Hein ça fait des tonnes de retard, c'est ça. Ça fait non, de moi, ça fait 20 minutes que waouh, je me dis putain, on a du level, et puis c'est un peu aussi ce qui se dit sur le chat, ça me fait rire, c'est pour ça que je plaisante tout seul de ça. Non, je trouve ça au contraire extrêmement passionnant d'aller chercher ça. Est-ce que du coup, toi, t'as l'impression que tu vas te réincarner encore une fois, ou tu sembles avoir atteint un niveau, c'est pas comme ça que je le vois, hein, mais avoir suffisamment de conscience justement de tous ces aspects de toi, où tu te dis putain, je vais encore rempiler une fois parce que c'est, il y a trop de travail. Alors, je pense que je suis loin de la fin de mon cycle de réincarnation, et si je suis tout à fait honnête avec toi, je m'en fous. Parce que c'est après, et le après, en fait, il n'existe pas. Moi, je suis là, ici et maintenant. Si je dois me réincarner après, bah, quand je serai morte et quand je ferai le bilan, on en reparlera. Mais je m'en fous, en fait. Je t'avoue, j'y pense pas tous les jours. Ou du moins, mes actions que je fais aujourd'hui, elles ne sont pas guidées par l'envie que ce soit ma dernière vie, tu vois. C'est, on verra. Tu penses qu'on a, on a une telle influence sur nos actes que on pourrait... Bah, du coup, influer sur le fait qu'on refasse une incarnation ou pas. Genre, toutes les décisions que je prends me permettent de m'élever et dans l'idée de ne pas rebouffer ça. Parce que derrière ma question, il y avait le fait que tout à l'heure, tu disais, et je te rejoins tellement, que quand même, c'est le bordel d'être arrivé sur Terre. Moi aussi, je me suis posé la question de ce que je foutais ici. Et des fois, je me dis, mais putain, si c'est pour y revenir encore une fois... Et tu sais, c'est le bordel, mais il y a aussi des choses... moi, si je devais me réincarner, je pense que je me regarderais, je suis vraiment loin de... Enfin, je n'ai pas cette prétention-là de le dire. Mais là, je te dis que c'est le bordel, mais j'y reviendrai. Parce que on est, pardon, dans un corps charnel où on peut serrer les autres dans nos bras. On peut partager l'amour, on peut ressentir beaucoup de joie, on peut aider, on peut faire preuve d'empathie, de compassion. Et tout ça, ça nourrit et c'est cool et c'est positif. Donc, revenir, on me dit signe, je re-signe en fait, parce que ouais, c'est la merde, mais il y a aussi de très, très belles choses à vivre. C'est un truc tout bête. Moi, je rénove ma maison actuellement.
on redécouvre des magnifiques pierres qui ont plus de 200 ans sous du placo pourri, tu peux pas savoir comment j'ai un sourire d'enfant de voir la pierre, de la toucher, de dire « Waouh, elle a une histoire, c'est incroyable !» Si c'est pour revivre des moments comme ça, je resigne. Et tu parlais d'action à faire pour la sagesse. On n'aura jamais 100% d'action parfaite. Déjà, qu'est-ce que la perfection? Vous avez 4 heures. Et je pense qu'on travaille sur son karma ou qu'on crée une évolution, s'il doit y en avoir une, en expérimentant par soi-même. Mmh. C'est-à-dire en prenant des décisions pour et par soi-même, en respectant ses limites et en respectant les limites des autres. Tant que tu fais ça, tu es dans cette notion d'évolution. Parce que par exemple, à vouloir se dire « Vas-y, moi, je veux que ce soit ma dernière vie, donc je vais aider tout le monde », mais tu vas réenchaîner. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu d'aider, tu vas nourrir en toi une énergie sacrificielle, tu vas nourrir une énergie de soumission et tu vas te créer des schémas bloquants. Donc, le but, c'est de se dire, voilà, quels sont les choix que je peux faire pour et par moi-même pour être bien. Et ces choix-là ne dépassent pas mes limites, me respectent et respectent les autres. Tant que tu fais ça, mais si tu cherches une évolution, une sagesse, etc., elle viendra. Sans la chercher, naturellement, elle viendra à toi. Je rigole, il y a Spiritual 888 qui dit qu'elle a envie de se réincarner en pot de Nutella pour s'auto-suffire. Pas mal. Je crois pas que ce soit possible, mais c'est pas mal. On visualise, on garde cette visualisation qui fait du bien. Tu penses que justement, on se réincarne dans la même matière que ce qu'on a été, justement, l'humain avec l'humain, les végétaux avec les végétaux? Ou est-ce que tu crois qu'il y a des... Mais qui peut être, qui n'est pas ancré dans le marbre. C'est-à-dire que pour l'instant, je pense comme ça. Ouais. Pour l'instant, je pense comme ça. Je suis profondément convaincue de la réincarnation. Parce que vraiment, quand j'étais petite, alors moi, j'ai fait un bac S, hein, vraiment, parce que je voulais comprendre. Tu vois, je voulais comprendre. C'est quoi cette vie, quoi. C'est, expliquez-moi, on est dans une flotte, on est dans une espèce de boule là qui flotte au milieu de nulle part, dans un truc, on ne sait même pas comment ça s'est créé. Parce que par exemple, le Big Bang, on est quand même remonté à 10 puissance moins, je ne sais pas combien. On ne sait pas ce qui a créé tout ça. Moi, gamine, j'en faisais des crises d'angoisse. Truc tout, je disais à ma mère, bah, attends, je vais passer plus de temps morte que vivante. Je dis, c'est le concept de la vie. Je vais être plus longtemps morte que vivante. Explique-moi pourquoi j'ai autant cette capacité de penser. J'étais vraiment effarée par le fait de nos capacités intérieures et de notre peu de temps d'existence, tu vois. Et quand je me suis intéressée à la spiritualité et que je me suis intéressée au principe de réincarnation, ça a expliqué tellement de choses que oui, j'en suis profondément convaincue. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote personnelle, si tu m'autorises à la raconter. Avec joie. J'étais allée voir une dame qui travaillait sur les énergies, le karma, etc. au tout début de ma grossesse. Et elle me dit, oh là là, beaucoup de colère et tout. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. J'étais dans le déni. Hein. Et elle me dit, vous êtes l'âme d'un de vos ancêtres. Elle me dit, ça fait 7 vies que vous courez après l'âme de votre père. Donc, ça fait 7 vies que je suis dans ma famille de mon père. Et quand tu connais ma relation avec mon père, c'est très drôle. Et elle me dit, vous êtes l'âme d'un de vos aïeuls, de votre arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est vous en fait. Et vous avez été député, vous vous êtes rebellé, vous êtes mort de faim. On vous a coupé tout, on vous a pris tous vos avoirs et vous êtes mort de faim. Il faut savoir que moi, un frigo vide, ça m'angoisse fois mille. Et surtout, mon père était fan de généalogie. Donc quand elle m'a dit ça, je l'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire la vérification, etc. sur notre arbre généalogique? Mon père a vérifié, il y avait bien dans nos ancêtres un monsieur qui a été député, qui s'est rebellé, on lui a volé tous ses biens, et surtout ce monsieur, il s'appelait Jean-Nicolas. Et je suis née le 6 décembre, la Saint-Nicolas. C'est génial, j'adore. J'adore cette anecdote. Ah ouais, ouais, mais elle donne tellement de sens à l'intérêt du travail dans le transgénérationnel. Et à la croisée d'ailleurs entre transgénérationnel et le karmique, puisque en plus tu t'es chopé l'âme de ton C'est moi, en fait. Mais c'est toi, ouais, c'est génial. Merci de ce partage, c'est à la fois touchant en plus. Et tu mets... Alors attends, j'ai trop de questions là. Ah là là, c'est horrible. T'as combien d'heures devant toi? Moi, j'ai aucun timing, donc c'est vraiment. Non, je serais respectueux de ça, mais en même temps. Tu offres un terrain de jeu extraordinaire. Alors,
Tu parlais donc du bac S parce qu'il y avait en toi vraiment ce désir de comprendre. Et c'est marrant parce que c'était le choix de la science, visiblement, de comprendre par cet intermédiaire-là, hein, le pourquoi et le comment ça marche. Et puis, tu t'es dirigé vers des études de psychologie. Alors, je ne sais pas où ça a merdé à un moment donné. Est-ce que c'était dans la suite logique de comprendre, mais autrement, avec d'autres outils? C'est exactement ça. Moi, j'ai toujours été animée par le fait de comprendre. Bon, également, le bac à la terminale, j'en avais ras-le-bol des maths, etc. Il faut savoir que j'ai fait bac S, mais j'ai eu 5 en maths et 16 en philo. Donc, vraiment, tu vois, j'ai loupé ma voie. Et en vrai de vrai, avant, donc j'ai une licence de psycho. D'ailleurs, le but, c'est de la continuer, cette licence, pour aller jusqu'au master et au doctorat. Mais surtout, avant de faire psycho, j'ai fait une année de droit. Parce que de base, moi, je voulais être juge pour enfants. En fait, quand j'étais plus jeune, il était très important pour moi de comprendre le monde, mais également de comprendre les gens. Et surtout, je voulais comprendre la noirceur. Pourquoi quelqu'un pouvait avoir un comportement aussi sombre. Donc, de base, j'ai fait une année de droit parce que je voulais devenir juge pour enfants, pour protéger les enfants qui, malheureusement, vivent des choses que moi, j'ai vécues enfant. Sauf qu'en droit, je suis tombée sur un prof qui m'a dit, écoutez-moi bien, là, il y a un moule. À la fin, avec moi, vous allez rentrer dans ce moule. Il ne faut pas dire quelque chose comme ça à moi. Donc, j'ai dit, wow, ça ne va pas le faire. Et donc, je suis rentrée en psychologie. Et en psychologie, voilà, c'est ce qui m'attirait énormément, c'était, alors pardon, la phrase peut être un peu forte, hein, mais je voulais comprendre les mécanismes de fonctionnement de mes bourreaux d'enfants. Je voulais comprendre, parce que comment une petite fille de, voilà, de 5 ans avec des petites bouclettes toutes mignonnes, comment on a pu lui faire subir ce qu'ils m'ont fait subir, c'est ça, je voulais comprendre en fait, la noirceur de l'être humain, ça, c'était hyper important pour moi de savoir pourquoi ils avaient fait ça. Comment ils en est... Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés à un moment de leur vie capables de faire ça? Alors, je vais te poser une question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre ou tu réponds ce que tu veux, comme ça tu es libre. Moi, je comprends parfaitement le cheminement. D'ailleurs, c'est un des pans de l'humanité qui m'intéresse le plus aussi. Vouloir comprendre le comment on peut en arriver là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton histoire personnelle, tu arrives à accueillir le fait ou de séquencer ça, je ne sais pas comment trop le dire, ça me révolte, c'est innommable, et en même temps, je peux accueillir le fait qu'une personne puisse faire ça parce que c'est d'abord un trouble psychique, c'est une maladie. Ce sont des personnes qui n'avaient pas possibilité peut-être de faire autrement au moment où ils ont commis cet acte. Waouh ! Moi, je me dis... Comprendre n'est pas minimiser. Mmh. Comprendre ne veut pas dire je minimise ou je pardonne. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. C'est pas parce que tu comprends pourquoi cette personne a fait ça que d'une part, tu es obligé de rester en contact avec elle. D'autre part, voilà, que ça minore ou que ça efface ce qu'elle a fait ou que tu pardonnes. C'est vraiment des schémas, des fonctionnements qui sont complètement différents. Parce que la révolte, la colère, c'est quelque chose contre laquelle je me suis battue, moi, contre des années. Moi, je me suis construite sur de la rage. Tu vois, la rage, c'était ma meilleure amie, ma meilleure amie et en même temps ennemie pendant des années. Hein. Je me suis construite avec elle. Ça a été ma pulsion de vie pendant des décennies, en fait, la rage. Oui, en fait, que c'est une pulsion et ça t'a animée, quoi. Exactement. Sauf que la rage, donc, qui est la colère à son paroxysme, crée une forteresse entre toi et les autres. Moi, quand même, pour l'anecdote, à la fac, mon surnom, c'était Aimable, et pas parce que j'étais sympa. Hein. Personne ne pouvait s'approcher de moi dans l'amphi, il y avait moi, et je te jure que c'est vrai, hein. Tout autour, il n'y avait personne. On disait, non, tu t'assois. Elle parle trop mal. Tu ne pouvais pas m'approcher. J'étais une boule de rage, en fait. Et en fait, c'était de la protection. Tu fais peur pour que ne pas être blessé de nouveau. Mais ça a été très intéressant. Vraiment, ça a été... Ces trois années ont été très intéressantes. Et comme je te dis, le but maintenant, c'est de reprendre et d'aller jusqu'au bout.
On est des foutus survivants hein, de la vie. Hein. On est des guerriers, des warriors. C'est extraordinaire, tous les mécanismes qui se mettent en place pour la survie de la psyché. Moi, je suis vraiment admiratif de ça. C'est ce qui me passionne le plus en observant les humains. Hein. C'est tout ce qu'ils arrivent à mettre en place pour lutter, hein, pour survivre, pour préserver leur conscience. C'est extraordinaire. Et oui, effectivement, parfois, ça conduit à commettre des choses absolument horribles. Alors, vous allez pouvoir vous poser vos questions, bien sûr, les amis, à Isabelle. Hein. Il y en a quelques-unes qui arrivent. J'essaie déjà de les synthétiser. Profitez-en, on a une invitée super. Alors, ouais, attends, mais qu'est-ce qui te conduit aujourd'hui à vouloir reprendre des études quel est le... Qui c'est Pourquoi donc? Tu as besoin d'aller chercher encore des choses là-dedans? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'énerve profondément, c'est que la spiritualité est toujours caricaturée ou sinon on est diabolisé, tu vois. Quand les scientifiques ou les zététiques, alors les zététiques, c'est l'art du doute, dès qu'ils entendent le mot chakra ou énergie, tout de suite, c'est charlatan, gourou, teubé, et ça m'énerve parce que ils cherchent eux aussi, ils sont scientifiques, ils cherchent à comprendre, mais nous aussi. Et le souci, c'est que eux, ils sont dans un espèce d'entre-soi où, vu que nous, on est tellement catégorisés qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas parler avec eux parce qu'ils ne nous considèrent pas. Donc, moi, je veux aller jusqu'au master, voir le doctorat de psychologie pour dire, bon, bah, vu qu'il n'y a que ça, avec que ce genre de papier ou de statut que vous puissiez me regarder, bah voilà, maintenant regardez-moi, parce que mon grand rêve, c'est qu'on puisse, scientifiques et spirituels, travailler ensemble, main dans la main, pour rechercher et comprendre ce putain de sens de la vie, pouvoir faire des expériences adaptées au contexte spirituel, parce qu'ils mettent en place des protocoles, mais ils disent, bah voilà, le carré, il ne rentre pas dans le rond, donc le rond, il n'existe pas. C'est deux mondes différents, donc c'est important de voir les différentes modalités qu'on puisse mettre en place, mais faire plein d'expériences. Et vu qu'aujourd'hui, on est dans une société très scientifique, et lorsque ce n'est pas prouvé scientifiquement, ça n'existe pas. Déjà, c'est deux phrases bien différentes. Ce n'est pas prouvé scientifiquement et ça n'existe pas. Il y a une putain de nuance entre les deux. Hein. Et pouvoir valider scientifiquement des convictions, en fait, des convictions profondes ou des preuves qu'on a, mais sous forme d'empirisme, donc qui ne rentrent pas dans leur modèle à eux, et qu'on puisse ouvrir encore plus de portes. Moi, je veux ouvrir des portes, je veux construire des ponts. Donc, c'est pour ça que je vais aller jusqu'au doctorat. Bah, on sent en tout cas qu'il y a d'énergie là-dedans. Et peut-être on verra docteur Isabelle Serre. Pas de suite. Alors, c'est vrai qu'on parle de ça, c'est très, très caractéristique de la France, hein, parce qu'évidemment, il y a plein de pays où ça ne se passe pas comme ça. Et Dieu merci, à grande échelle, il y a des études qui sont menées, mais bon, on n'en est pas encore là, mais effectivement, bah, c'est très louable et moi, je te suis à fond. Je te pousse. Visiblement, pas besoin de ça. Alors, je vais te faire rire un petit peu. Il y a une phrase que tu détestes, c'est le fait de travailler pour devenir la meilleure version de soi. Alors, je sais que ça te fait chier un peu. Bah moi, je voudrais comprendre pourquoi ça te fait chier. Est-ce que tu séquences la spiritualité et le dev perso? Parce que c'est dur. Hein. Enfin, qu'est-ce qui t'emmerde dans cette idée-là de devenir la meilleure version de soi? Parce qu'on est déjà dans une société où on est blindé d'injonctions à la performance. Déjà, les réseaux sociaux avec les filtres, ça a été la pire invention. Et puis le fait qu'on partage énormément de choses, donc il y a une forme de compétition. Alors les réseaux sociaux, c'est incroyable parce que voilà, ça permet de nous connaître, ça permet de mettre en avant son travail, etc. Il y a de tout, de toute façon il y a toujours deux côtés d'une pièce, hein, donc voilà. Mais au-delà de ça, de cette mise en réseau, il y a cette comparaison et en fait cette mise en avant qui est très souvent fake, en plus de la perfection. L'appartement très bien rangé, le corps parfait, le visage parfait, le couple parfait, etc. Il y a une injonction à la performance et on est également dans une société à la consommation
Ou, par exemple, l'iPhone, tu as à peine compris comment fonctionnait ton nouvel iPhone, que l'autre est déjà sorti. Donc, il y a toujours ce truc de mieux. Et en fait, cette recherche de mieux, elle est, pour moi, elle est déséquilibrée. Ce qui fait qu'on se demande toujours plus. Et on a l'impression qu'on doit toujours faire plus, qu'on doit toujours faire mieux. Et c'est en ça que je n'aime pas cette phrase, devenir la meilleure version de soi-même. On est toujours dans cette course du mieux. Et on oublie qui on est aujourd'hui, on oublie l'instant présent. En fait, on est toujours dans la projection. Et du coup, on n'est plus là, ici et maintenant. C'est pour ça que j'aime pas cette phrase. Ouais, je comprends de la manière dont tu le dis. Et toi, tu n'as quand même pas l'impression qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, alors tu n'es peut-être pas une meilleure version qu'il y a 10 ans, ou tu es une autre version. Enfin, je suis désolé, les Je versions, suis c'est une autre pas très poli. version avec. Mais tu vois, je suis une autre version, mais avec la sagesse de mes expériences passées. Il y a des expériences que je peux considérer comme des erreurs, ou en me disant, bah ça, si je ne l'avais pas fait, franchement, merci. Mais aujourd'hui, je suis le fruit de toutes ces expériences-là. Si je n'avais pas fait ce que je considère aujourd'hui comme des erreurs, je serais qui aujourd'hui? Tu vois, si toutes mes phases ou tous mes choix, qu'ils soient posés, on peut mettre des étiquettes positives ou négatives, font qui je suis aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est hyper important, en fait, de pas chercher le mieux, mais de toute façon, pour moi, c'est l'honnêteté, l'authenticité avec soi qui est hyper important. Te, oui. Mais quand tu vas vers cette authenticité et honnêteté, naturellement, tu changes parce que tu es bien. Et quand tu es bien, eh ben, il y a plein de mécanismes de fonctionnement, de pensée relationnelle dont tu te dis, mais j'ai pas besoin de ça, en fait. Donc, naturellement, ça dégage. Et t'es pas dans ce truc de to-do list de l'enfer à te lever à 5h du matin alors que t'es pas du tout du matin pour faire ta morning routine que tu dégueules depuis 3 mois. Tu es vraiment dans cette écoute de tes besoins à toi. Donc naturellement, tu changes. Donc c'est vrai. Ça fait beaucoup rire. Ouais, ben c'est tellement ça. Alors comment on pourrait dire ça? Parce que quand même chaque jour, effectivement, on expérimente, on fait notre mieux, on Être fait comme soi. on peut, juste être soi. Exactement. Découvrir qui on est. Je crois que c'est François Villeneuve, un très bon ami. Alors, ce n'est pas de lui, mais je ne sais plus de qui c'est. Et c'est un mantra, et j'adore, c'est deviens qui tu es. Est-ce qu'on pourrait, s'il fallait résumer ce qu'est la spiritualité selon toi, ça pourrait être ça? Trouver, enfin les outils, il n'y en a pas besoin, c'est tourner le regard vers soi, découvrir vraiment qui on est, respecter ses valeurs. Être bien avec soi pour être bien avec les autres. Donc tu fais partie des gens qui aujourd'hui, dans cette sphère parfois un petit peu curieuse, hein, de la spiritualité, de la thérapie aussi, que c'est tu te prends en considération aujourd'hui avant les autres, tu arrives à faire ça? Ah oui, j'ai appris à le faire. Tu as appris à le faire. Aujourd'hui, quelque chose qui dépasse mes limites, ça ne fait pas partie de ma vie. Ou ça va le dépasser une fois. Allez, j'avoue, peut-être deux, mais il n'y aura pas de troisième fois. Parce qu'avant, on pouvait venir comme ça, intruser, on pouvait prendre de l'espace, Ah prendre ton oui. temps. Ah Ah oui. oui. Moi, je remercierai toute ma vie mon fils qui est rentré dans ma vie il y a 7 ans parce que moi, avant, j'étais dans la dépendance affective, mais t'as peur. Hein. L'énergie sacrificielle, la soumission, mais allez, viens, viens, vas-y. J'avais rien, mais je te donnais quand même à manger, tu vois. C'était, mais viens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et je me suis retrouvée enceinte toute seule. J'ai accouché seule, j'ai élevé mon enfant seule. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, tes conneries, Isabelle, tu vas peut-être les arrêter, quoi. Donc, je voulais pas du tout transmettre ce genre de choses-là à mon fils. Et puis surtout, bah, je voulais avoir des bases solides pour aider un autre individu à se construire, parce que c'est quand même quelque chose d'être parent. C'est pas... Tu te dis, waouh, tout ce que là, je vais lui apprendre, ça va avoir une influence dans sa vie future. Mon Dieu. Oh. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur cette dépendance affective-là. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la dépendance affective. Je me suis fait à moi-même. C'est cool, déjà, c'est plutôt cool. Et est-ce que tu as le sentiment que c'est à partir de là que justement
tous ces cadeaux qui te sont offerts par la vie aujourd'hui sont arrivés ou s'accélèrent? Est-ce que le succès est arrivé aussi avec ça? Enfin, le succès, on s'entend dans cette notion de succès. Hein. En tout cas, moi, je te vois comme ça, avoir du succès. Est-ce que c'est arrivé aussi avec le fait de d'être juste avec soi, de s'autoriser peut-être à briller davantage? Je n'en sais rien. J'aime pas ces projections-là, mais... Bah, en fait, ça a commencé quand, donc à l'époque, donc avant que mon fils naisse et au tout début de la vie de mon fils, moi je tirais les cartes. Vraiment, je tirais la carte, je faisais des consultations. Et bah, en travaillant sur moi aussi, je me suis rendu compte que bah, les personnes étaient. Moi, j'étais dépendante de l'aide que j'apportais aux autres, mais en fait, je créais de la dépendance parce que j'étais tellement disponible. Que les personnes, au lieu de se dire, bah, tiens, quelle décision je pourrais prendre? Attends, je vais appeler Lisa, elle est disponible H24, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, je crée de la dépendance. Et alors que, on dit toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, alors que vraiment, mon intention, c'était d'aider les autres, bah, en fait, je crée des liens trop forts avec moi. Donc, je me suis dit, waouh, mais mauvais karma, là, de ouf! Donc, c'est comme ça que j'ai voulu créer mon premier oracle. J'ai créé mon premier oracle chakra du cœur en auto-édition, parce que la première question qui revenait, c'était sentimental, professionnel, quasiment toujours. Oui, bah oui. Donc, et puis, ça fait mal, tu vois, les relations, elles sont merveilleuses, mais un chakra d'amour, ça fait mal, tu vois. Ouais. Donc, j'ai créé mon oracle en auto-édition. Je pensais en vendre 100 en un mois et les 100 sont partis en 12 heures. Tu te dis « waouh ». Et quand je dis on, c'est parce que je travaille avec Virginie, ma meilleure amie, qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai voulu créer mon oracle, je lui ai dit, écoute, je crée mon oracle, j'ai besoin de toi. Elle m'a dit, ok, je te fais les illustrations et ça s'arrête là. Et tu vois, elle est toujours avec moi, là. On travaille toujours ensemble. En fait, c'est mon encre, Virginie. Et on en a vendu 2000. Et c'est à ce moment-là, ensuite, que j'étais en contact avec Guillaume Trédaniel, donc des éditions Trédaniel Exergue. Où là, on est parti pour une collection de 4. Et puis moi, comme j'ai toujours, après, c'est parti en 6-7, quoi. Parce que j'avais tout l'espace. Moi, mon éditeur, c'est tu vas-y, crée, tu donnes. Et nous, on a la maquette, on a les maquettistes, on a les imprimeurs, on a la distribution. Toi, juste, tu crées. Mais il fallait jamais me dire ça. C'est pour ça qu'il y en a autant maintenant. C'est parce que du coup, j'ai tout l'espace pour le faire. Mais. Au-delà du travail, et pour moi aussi, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle, c'est que ça s'est fait vraiment au bon moment. Tu vois, il y a une part quand même d'aide extérieure. Ça a été la rencontre au bon moment, l'espace éditorial était disponible. Tu vois, il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup d'oracles à cette époque-là qui étaient, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient édités. Donc, il y a quand même un contexte extérieur que c'est important. Il y a le travail, je travaille beaucoup. Puis, comme je dis, moi, je souffre d'anxiété sociale, je suis toujours chez moi. Donc, il y a vraiment un travail qui est là, mais il y a aussi un contexte extérieur qui était très favorable et qui a apporté quand même une belle opportunité. C'est exactement ça ma question. Mais tu sais, tu vois que j'ai le. Vu que je ne suis pas du tout ni intervieweur, ni journaliste, ni quoi que ce soit, je ne sais pas forcément poser la question. C'est très bien la question. Il y a pas de... Ça te va. Écoute, c'est cool. Mais c'est exactement ça. Il y a quand même quelque chose, je ne peux pas penser autrement, que lorsque l'on a réglé quelque chose chez soi, on a l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes. C'est comme si ça s'ouvrait quelque part à un moment donné, quoi. Et là aujourd'hui, tu vas rigoler, mais je cherchais pour ma boutique des oracles, justement. Je suis tombé sur un site aux Pays-Bas et évidemment, je suis tombé sur toi. Tu es même… on voit tous tes oracles dans plein de langues différentes. C'est oui, génial. J'ai un peu édité un peu partout dans le monde. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que… Si on écoutait ton ego, parce que c'est bien d'avoir cet aspect de nous aussi, qu'est-ce qu'il dit ton ego quand il voit tout ça? Ça le fait kiffer grave ou il n'a pas trop envie de regarder? Moi, j'ai quand même un syndrome d'imposteur assez fort. Donc, je t'avoue qu'au début, je ne regardais pas. maintenant, non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et en fait, le syndrome d'imposteur, je me disais, bon, voilà, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que je suis nulle, en fait. Et je m'attendais à ce que quelqu'un me démasque. Mais c'est complètement ça, hein, le syndrome de l'imposteur. Et maintenant, j'ose être fière de moi. J'ose dire, ouais, c'est cool.
Pas forcément besoin de le dire aux autres, mais parce que moi, je n'osais même pas le ressentir pour moi. Donc, tu vois, des fois, de me dire, tu sais, faire la petite danse de la joie, de waouh, trop bien! Ces trucs tout bêtes, l'oracle, la voix des âmes, ça a été l'oracle le plus vendu en France l'année dernière. Il y a quelques années, je n'en aurais jamais parlé ou je me serais excusée en disant, oh, c'est peut-être une erreur de calcul, vraiment, je suis désolée. Là, tu vois, j'en ai fait une vidéo et même moi, quand je l'ai su, moi, je danse tout le temps, j'ai fait une danse de la joie et je dis, bah, bravo Isabelle. Je l'ai vu, elle m'a fait beaucoup rire cette vidéo. Donc, tu peux aujourd'hui accueillir cette part justement qui est fière d'elle, c'est ça? Tu arrives à le faire, ça? J'y arrive. Pas à 100%, mais Virginie aussi m'aide beaucoup à y arriver. C'est Mais ma fille. justement, quand on fait la danse de la joie ou des trucs comme ça, qu'on fait un peu des conneries ou qu'on a beaucoup d'humour, est-ce que c'est pour justement cacher un peu ça ou c'est une protection pour pas aller sentir la fierté ou se dire je vais choper la grosse tête un de ces jours? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? J'en sais rien. Hein. C'est ma plus grande peur de choper la grosse tête. C'est drôle que tu poses cette question-là. C'est ma. J'ai moi ma grande peur aujourd'hui, alors j'en ai deux. D'une part, c'est de mourir, non pas que j'ai peur de la mort, mais j'ai peur de mourir trop tôt et que mon fils ne soit pas prêt à mon départ. C'est ma peur numéro une. Et la deuxième, c'est de devenir, alors pardon, je vais le dire dans mon langage à moi, boucher les oreilles s'il y a des enfants, mais c'est de devenir une grosse connasse en fait. J'ai hyper peur de devenir la grosse connasse qui croit qu'elle a tout compris à la vie et que. Et qu'elle se sente au-dessus des autres. Ça, ouais, c'est une de mes peurs. Alors, je vais être obligé, du coup, ça fait une super transition, je trouve, avec une expérience. J'imagine que c'est une expérience et j'aimerais bien que tu me racontes cette expérience de la télévision. C'est très drôle quand on sait de toi et tu t'en caches jamais, tu le dis, tu l'as redit là, tu souffres d'anxiété sociale. Sévère. Non, mais je comprends ce que c'est. Moi, je suis un phobique le plus compensé possible, mais de temps en temps, ça part un peu en couille. Donc, on a deux bons névrosés. De temps en temps, ça ne se passe pas toujours très, très bien. Bon, l'expérience de la télévision, bon, moi, j'en ai pas. Franchement, je suis allé sur ABC Talk, j'avais les dents qui claquaient. J'étais mort de trouille. Et je vais la mettre, hein, cette. Alors, c'est plutôt ici. Hop, si j'y arrive à mettre le mag qui fait du bien, là. Je sais pas, non, c'est ça, c'est chez toi. Là. Alors, j'aimerais bien qu'on passe. Comment je fais? Sur YouTube ou sinon sur C8. Hop là, est-ce que l'on voit là? Ça va? Oui, on voit Alors, Karine. on voit effectivement ta coéquipière, Karine Ah non, non, Arsène. non, 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 c'est pas ma coéquipière, je suis sa chroniqueuse. Pour rendre à C'est César la ce qui est à chef. César. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience? Qu'est-ce que ça vient réparer? Qu'est-ce que ça vient toucher? Parce que c'est quand même pas rien, c'est une super émission. Moi, j'adore le dimanche matin te regarder dans le fin fond de mon lit encore où j'essaie de sortir. Donc, tu es sur C8, sur l'émission qui s'appelle Le Mag qui fait du bien avec effectivement Karine Arsène. Ça vient d'où cette histoire-là? Et comment on fait pour aller à la télévision quand on préfère peut-être être chez soi à créer des oracles? J'en sais rien. Peut-être une Alors, déjà, il projection. faut savoir que quand on enregistre l'émission, il n'y a que nous sur le plateau. Toutes les caméras, elles sont gérées et le son sont gérés par la régie qui sont de l'autre côté. Donc, en vrai, on est 4 ou 5 sur le plateau. Hein. Donc, mon anxiété sociale, ça va. Bon, même si je ne regarde pas les premières émissions parce que c'est catastrophique, je n'ai pas de voix, etc. En plus, pour moi, j'étais malade les premières. Bon, l'émission, c'est une catastrophe. Bah pareil, de nouveau, une question d'opportunité et j'aime pas trop le mot chance, mais d'opportunité, c'est que Karine m'avait invitée pour parler d'un de mes ouvrages sur le plateau, où là vraiment j'ai cru que j'allais mourir parce que c'était horrible. Et voilà, Karine m'avait énormément mis en confiance et les chroniqueurs aussi. Et puis elle m'a dit, voilà, écoute Isa, est-ce que ça te tenterait de devenir chroniqueuse? Et tu sais, moi je suis toujours, alors évidemment, nuancée ce que je vais dire, mais je suis toujours toute expérience est bonne à prendre. Donc vas-y, on y va. Et par rapport à l'anxiété sociale, la mienne, je ne sais pas la tienne, hein, mais moi, elle s'est créée sur un stress post-traumatique, ce qui fait que je passe mon temps à la tester parce que je ne veux pas que mon passé détermine ma vie. Parce que si je laisse me condamner à toujours être seule, ça veut dire que mon passé, donc mes anciens bourreaux ont gagné. Et le but, c'est pas ça.
Tu vois, c'est, je ne me suis pas mis une étiquette d'anxiété sociale en disant adieu les relations, j'ai eu l'anxiété sociale, merci, c'était sympa, mais vous ne me reverrez plus jamais. Oh, t'as des jolis ballons, c'est mignon. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je fais ça. Je te jure, à chaque fois, à chaque live, il se passe des trucs. Je ne sais pas. Je touche à rien. Fais le pouce. Le pouce est sur Zoom, j'ai découvert ça. Mais je dois faire quelque chose. Il doit y avoir des gestes, effectivement. Mais bon, voilà, c'était drôle. Je vais tester des trucs. Alors, donc, je veux pas que cette anxiété sociale elle domine ma vie. Donc, je passe mon temps à chercher à la réduire et à la déconstruire pour savoir aussi qui je suis au-delà de tout ça. Et toujours la découverte de soi. Et en vrai, c'est une expérience hyper sympa. Donc maintenant, je suis de plus en plus à l'aise. Et ça se passe très bien et c'est super chouette. Puis on s'est enregistré dans les conditions du direct. Donc, j'ai envie de dire, quand le jingle est lancé, ça va tellement vite parce que quand on est sur le plateau, on ne voit pas le temps passer que tu as limite l'impression que tu as eu une inspiration, expiration et que c'est fini. Hein. C'est vrai que le temps de la télé, c'est très, très différent. C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, moi, je te trouve super. Donc, voilà, déjà, tu as au moins un fan. Moi aussi, quand même, la télé. Moi, je ne me regarde pas parce qu'à chaque fois, ça fait les joues. Pouf, la vache, les gars, vous êtes durs avec moi, là. Non, et puis tu nous fais marrer parce que tu le fais un peu comme là, tu le fais avec qui tu es vraiment. Enfin voilà, tu joues pas. J'ai pas l'impression de voir quelqu'un d'autre à l'écran. Je crois que si on m'avait demandé d'être quelqu'un d'autre, j'aurais pas dit oui. C'est ce que j'allais aussi dire. Mais alors peut-être que ça pourrait aider toutes les personnes qui nous regardent et puis qui reverront bien sûr ce live en replay. Il y en aura beaucoup plus en plus. Comment on fait? Quand on se ressent un peu envahi, alors ça peut être l'anxiété sociale, mais on peut mettre ça à plus de sauce. Hein. Les névrosés connaissent bien ça, les phobies connaissent parfaitement ça. Ou quand on sent qu'on est un peu envahi, alors ça peut être dans le corps, ça peut être parce que les émotions ont pris de l'espace. Comment toi, t'arrives aujourd'hui à vivre ça pour être en place, quoi, parce que bon, t'as dit que t'étais malade les premières fois, etc. Alors, comment t'arrives à est-ce que t'as des astuces, des tips, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que voilà, comment tu fais vraiment pour justement pour pas te laisser envahir et comme si les fantômes du passé reprenaient le pouvoir, quoi, parce que c'est quand même hyper fort, c'est douloureux aussi. Comment t'arrives à reprendre ce pouvoir sur toi-même? Parce qu'en fait, tout est une question de vague. Rien ne reste jamais. Le positif, comme dans le... C'est pour ça que je vous dis, profitez à fond des moments positifs, parce que tout est une question de vague. Et le but, c'est d'apprendre à se laisser traverser. Les émotions négatives, par exemple, le but, c'est de se laisser traverser. Et après, tu peux te dire, bon, bah voilà, quelle est l'émotion, qu'est-ce que ça m'apprend, quelles actions puis-je mettre en place. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a énormément aidée, c'est de me laisser traverser. Alors, soit en allant marcher, soit par la respiration, soit en dansant, soit en méditant, en faisant des séances d'hypnose ou en écrivant. Il y a plein de façons de se laisser traverser. Il y en a qui peignent, ça peut être en peignant. Mais se laisser traverser, c'est-à-dire ne pas trop... Mais ça aussi, c'est très fort. Toi, c'est moins fort aux États-Unis, c'est très fort ici. Nous, on a cette quête de libération du négatif. Ah là là, je suis en colère, comment je fais pour me libérer de la colère? Ah là là, je suis triste, ah, je ne veux plus jamais être triste, bou, bou, bou. Mais plus tu fuis et plus tu le nourris. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Alors que quand tu te laisses traverser et lorsque tu prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, déjà, ça y est, des études scientifiques, par exemple, qui le prouvent. Je ne pourrais plus te la nommer, la scientifique, mais l'étude, mais je pourrais te la retrouver. Qui est qu'en identifiant une émotion, tu réduis son intensité. En identifiant une émotion négative, en sachant par exemple te dire « Ah tiens, j'ai peur », tu réduis l'intensité de la réaction émotionnelle. C'est pas magique, hein. C'est juste, c'est plus le monstre sous le lit qui veut te bouffer. Donc vraiment, je me laisse traverser. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des journées où tu vas me dire « ça va », je vais te dire « non ». Et c'est pas grave, c'est juste que je suis en train de me laisser traverser. Et le lendemain, la vague sera partie et tu vas me dire « ça va », je vais te dire « oui ». Et je vais vraiment le penser. Et ensuite, je me pose des questions. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux faire? Et tout ça, en fait, c'est vraiment l'optique de mon travail depuis maintenant plusieurs mois sur tout ce qui est shadow work,
sur tout ce qui est travail de l'ombre, en fait. Donc, évidemment, je l'applique à moi-même. Oui, ouais, une fois de plus, vraiment, je te rejoins tellement là-dessus, les amis. Les quelques minutes, là, sont pour moi, hein, d'un très, très bel enseignement, vraiment. C'est de plus chercher à lutter, quoi. De toute façon, ça ne sert à rien. Mais même dans le corps, je trouve que c'est possible de le faire. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est une journée plutôt pas bien, vraiment pas cool, une journée où j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Mais je me suis laissé totalement traverser par ça, quoi. C'est la clé. T'es pas bien, ok, mais c'est et tout est vague de toute façon dans les dynamiques psychocorporelles et bioénergétiques. Nous sommes traversés en permanence par des vagues. Et si vous aimez ça, cette idée de cette vague qui est par définition quelque chose d'impermanent, allez regarder tout ce qui peut se vivre aussi dans la danse des cinq rythmes que tu dois connaître, où on peut se laisser complètement traverser tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, et y compris de manière corporelle. Bon, merci de mettre ça en avant, parce que je crois que c'est une des clés, mais qui est archi fondamentale. Quoi. Bah, et en plus, ça passe. Mais oui, c'est qu'une vague. C'est qu'une vague. Ça passera à un moment ou à un autre, ça passera, en fait. Donc, le but, vraiment, voilà, c'est de se laisser traverser. Soit accompagner, si au tout début, tu as peur de le faire seul, que ce soit par une personne expérimentée ou par une personne de confiance. Donc, c'est quelqu'un que tu peux appeler, envoyer un texto, tu vois. Mais vraiment, se laisser traverser. Et tout passe, tout passe. Alors on a parlé. Alors c'était le lien qu'on voulait faire justement avec cette expérience de la télévision, qui est une expérience, j'allais dire un peu hors norme, mais c'est en tout cas il y a des codes, c'est quand même très particulier. Visiblement, comme tu le disais, t'es chouettement entouré aussi, accompagné. Vous avez l'air de bien vous entendre aussi. Dans cette équipe, je vous offre de temps en temps les petits foufous dans les teasings avant les passages. rien n'est joué. Ça n'a pas l'air. Donc c'est le dimanche, c'est diffusé le dimanche, je ne sais plus à quelle heure. À 9h20. À 9h20. Donc les amis, si vous ne connaissez pas cette émission, donc sur C8, franchement, je vous invite, ça fait un bien fou. C'est léger, c'est doux. C'est bon, ça fait du bien, comme le nom de ce magazine. Et puis, il y a aussi toute ton actualité, parce que ça, on ne peut pas non plus, je dis, on ne peut pas vraiment passer à côté. Tu occupes l'espace, et c'est chouette que tu l'occupes. Elle est magnifique, ta boutique. Les oracles d'Isa, enfin, ta boutique, c'est au-delà d'une boutique, c'est vraiment toute ton actualité aussi, avec des formations, tous tes oracles qu'on peut trouver. Alors, tous, pas sûr, mais il y en a une bonne partie en tout cas. Donc, on retrouve les chakras du cœur dont tu as parlé tout à l'heure. C'était celui-ci, le premier, du coup, c'est ça? Le tout premier. Alors, la version en auto-édition, c'est pas celle-ci. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est parce qu'on est en train de rajouter plein de trucs. Oui, c'est vrai. Oh la gueule du direct. Bon, non, laisse-moi. Au revoir, boutique. C'est pas prévu. Si, regarde, tu vois, il est là. Ça, c'est la toute première édition. Il n'est plus du tout dispo. Ce que j'ai fait en auto-édition. Et ça, ensuite, c'est le premier. Après, on a fait appel à Wild Amanda. Et ça, c'est le tout premier qui est sorti ensuite chez Exerg. Voilà. Et c'est du ça. Coup, j'arrive fort avec cette oreille. Excuse-moi, je me marre parce que j'avais prévu. J'avais regardé hier, ça marchait ou avant-hier, je ne sais plus. Ça marchait très bien, le site internet. Et aujourd'hui. Je suis là ce soir. Tant pis pour toi. Alors, est-ce que Virginie, ce serait ta Virginie Virginie, ouais, c'est Virginie Lominé. Exactement. Hop, voilà, qui est là ce soir. Bah, merci Virginie, et qui te précise, et qui nous précise, on rouvre ce week-end. Donc, les amis, soyez tranquilles. Tout se passe très bien, c'est sous contrôle. On rouvre, c'est moche, Virginie. Il est moche. Du terme rouvrir, du verbe rouvrir. Bon, en tout cas, oui, c'est ça, les amis, c'est les aléas du direct. Ça me fait toujours beaucoup rire quand il se passe des choses comme ça. Mais en tout cas, effectivement, sur ce site internet, vous pourrez retrouver l'œuvre d'Isabelle et tous ces bouquins, dont certains sont devenus des best-sellers, d'ailleurs.
Et puis maintenant, d'ailleurs, quand on parle d'anxiété sociale, j'ai poussé le, alors je sais pas si c'est le vice, encore plus loin par rapport à cette expérimentation-là, puisque je fais maintenant des, je vais faire 4 conférences dans des cinémas en présentiel sur le shadow work à partir du mois d'avril, et je le fais avec ABC Talk. Donc, Super, qui va effectivement te produire. Alors, je te souhaite beaucoup de succès. En général, quand on travaille avec Marc, il se passe des choses. Donc, j'espère, et je suis assez convaincu que le public, tu vas le trouver de toute façon. Et je te souhaite que ces 4 conférences se transforment en une tournée, si ton temps le permet, beaucoup plus importante. Marc, il produit aussi d'autres personnes. Et vraiment, c'est chouette, quoi. Et notamment Madame Franou, Céline Franou, qui Tout à remporte fait. un gros succès. Alors, c'était un peu la question de Noémie, mais tu as déjà répondu pas mal. Noémie qui fait des conférences aussi. Mais je pense que tu en as parlé, comment tu gères le passage sur scène. Mais du coup, c'est bien parce que tu parles de ça. Est-ce que tu penses aussi que là, mon pousser le vice, je ne sais pas, des conférences, tu en as déjà fait. Est-ce que tu retrouves ce même questionnement quand tu montes sur scène et que tu as plein de gens qui te regardent comme ça? Est-ce que là encore, c'est une vague que tu sens arriver? Est-ce que c'est systématique ou ça va mieux? Voilà. Et puis, comment on fait? Alors déjà, là, j'en ai déjà fait 2 en présentiel pour la sortie du pouvoir insoupçonné de tes blessures et tes blocages et pour le cri des âmes. J'avais fait déjà un spectacle conférence sur scène. En fait, j'avais adoré la sensation quand j'étais sur scène, sur le partage. Pas le fait qu'on me regarde, c'est ce lien, tu vois, on est tous ensemble, il n'y a pas de contact avec l'extérieur. On vit un moment rien qu'à nous. On crée du lien, même si c'est sur l'instant T, on crée du lien et c'est ça vraiment que j'ai adoré. Et pour le gérer, bah, c'est comme un tatouage. Je me prépare comme si je me faisais tatouer, donc ça va parler aux tatoués, hein, ou pour une compétition sportive, c'est-à-dire que la veille, bien dormir, bien manger, pas trop d'excitants, pas de sucre, pas de café, etc. Pour avoir vraiment le corps calme. Sur le moment, je suis complètement dans l'instant présent, vraiment je kiffe et je profite. Et puis bah, le après, là c'est là où je décompense. Donc ça peut être par le sommeil, ça peut être par le fait d'éteindre mon téléphone pendant 12-24 heures, mais où du coup j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Mais j'avoue que sur le moment, quand je suis face aux personnes, je me pose pas de questions. Je suis purement dans l'instant présent et je suis tellement concentrée aussi sur l'aide que je peux apporter. Alors, du coup, on a enlevé l'énergie sacrificielle. Maintenant, on est vraiment dans l'équilibre. Mais je suis tellement concentrée sur je veux qu'ils partent avec quelque chose de concret. Tu vois, que chaque personne. En fait, je veux donner à manger à chaque personne. Je veux pas qu'il y ait une personne qui se dise, oh là là, mais j'ai été oubliée dans le lot. Tu vois. Donc, je suis tellement concentrée à ce que chaque personne puisse partir avec au moins quelque chose de concret que je donne tout. Vraiment, je donne tout et je suis purement dans l'instant présent. Le shadow work, donc c'est le travail sur les parts d'ombre hein, qui en ce moment est une expérience que tu sembles traverser, partager beaucoup. Ça fait partie de ce qu'on a dit tout à l'heure hein, au début du live, c'est d'être à la rencontre aussi de tous ces aspects-là. C'est ça que tu vas faire vivre aux gens dans leur, je veux dire sur scène, mais dans leur, c'est dans des cinémas, c'est ça que ça va se faire aussi dans des cinémas. Et donc on va être dans du travail pratique. Ils vont manger, ils vont bouffer, ils vont bouffer. Est-ce qu'ils vont avoir mal? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que très souvent, shadow work, on voit ça dans la lutte, dans la douleur. C'est un peu comme ces voyages chamaniques où tu vas boire un truc et que tu vas dégueuler tes tripes, tu vas te vider de tous les bords. Il faut toujours que j'aille trop loin dans les métaphores, je me présente mes excuses. On la tient. J'arrête. Donc non, en fait, on peut vraiment. Alors, notre partie sombre, c'est en gros, si on les schématise, blessure, blocage, schéma de pensée, fonctionnement négatif, émotion négative. Du moins, réaction, si je veux être précise, réaction émotionnelle déséquilibrée face aux émotions négatives.
Et très souvent, en fait, on a l'impression, voilà, que c'est le chemin de croix, tu vois, on va prendre cher, on va avoir mal, mais pas du tout. On peut créer une relation avec sa partie sombre avec beaucoup de douceur, de façon très positive, sans se faire mal. Vraiment, ça ne va pas être une séance de masochisme, hein. C'est vraiment sans se faire mal et même avec beaucoup d'humour et beaucoup de joie. Et c'est moi, c'est ce que je veux vraiment proposer. Déjà, qu'on arrête de. Parce que vu qu'on diabolise notre partie sombre, eh ben, on diabolise le travail de l'ombre, tu vois. Donc, le but, c'est de le voir d'une autre façon. Et oui, moi, je vais proposer plein d'ateliers pour qu'on soit dans le pratique. Parce que je peux t'expliquer pendant 15 heures ce qu'est le travail de l'ombre. Si tu ne le fais pas, ça te semblera toujours abstrait. Donc, c'est vraiment apporter aussi un côté pratique et expérimenter ensemble. Parce qu'on m'écoute et qu'on sort en disant, ah ben, Isabelle, elle a dit que. Ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, que la personne elle sorte et qu'elle se dise, ah tiens, elle a dit ça, c'est intéressant et voilà ce que j'en pense et ce que je peux faire, bah, ma mission pour moi elle est remplie. Ouais. Ou tu es Oui, songeur. mais non, j'avais une question et puis elle est en train de se barrer. Alors, tu vois, j'essaie de la rattraper. J'ai dit, reviens, mes mères, c'est gentil. Non, justement, j'étais sur les parts d'ombre. Bah, c'est pas grave, elle reviendra, c'est pas très gênant. Effectivement, c'est pas que les parts les plus obscures, mais les plus. Parce que j'étais simplement en train de me dire que c'est, et tu l'as dit, c'est normal d'avoir parfois l'expérience de ses parts quand ça se manifeste à travers ne serait-ce que la pensée, ça se manifeste à travers l'émotion, ça se manifeste à travers le corps. En fait, elles sont toutes vivantes, enfin, ces parts-là. Elles sont, c'est pour ça que c'est très concret, en fait. C'est pas un truc, c'est pas une vue de l'esprit, non, c'est Ah non, vraiment ça se présent, vit au c'est là. quotidien, même dans nos relations, ça se vit au quotidien. Un truc tout bête, moi je Exactement. ne crois pas aux personnes méchantes, mais je ne crois pas aux personnes gentilles. Par contre, je pense qu'il y a des comportements très méchants et des comportements très Ouais. gentils. Et ça, c'est pour moi, c'est une nuance qui est hyper, hyper importante. Et beaucoup de relations sont toxiques. Pourquoi? Parce que lorsque tu fuis ta partie sombre, et vouloir la libérer, c'est une fuite. Tu la dégueules sur les autres. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui fuit sa partie sombre va avoir des comportements, mais très toxiques envers les autres. Et c'est quelqu'un, limite, qu'on va vouloir, et ce sera mérité, qu'on va vouloir fuir. Parce que la personne, vu qu'elle ne veut pas voir son côté sombre, la dégueule, mais partout. Donc, le but de travailler sur sa partie sombre, c'est ça en fait, c'est prendre conscience de ce dont on est capable, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de comment on réagit, et également de faire preuve davantage de bienveillance envers soi, parce que notre partie sombre, elle réagit très souvent lorsqu'on se sent en insécurité. Quelque chose, un événement, une parole, une situation, un rêve, n'importe quoi, mais quelque chose a déclenché. Un sentiment d'insécurité. Et lorsqu'on se sent en insécurité, tout le monde fait ça. On va se Bien sûr. réfugier dans sa partie sombre. Et donc, dans nos blocages, dans nos émotions négatives, moi, ce que j'appelle le dark passenger, c'est-à-dire nos pensées, négatives, tout le monde fait ça. Par contre, quand tu connais ta partie sombre et que tu rentres dans ce négatif, eh ben, tu vas y rester moins longtemps parce que tu vas dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens en insécurité? Et en fait, tu vas te questionner, tu vas redevenir ton propre guide. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais besoin des autres, mais tu vas déjà prendre conscience que tu es une source de conseils, d'informations, de révélations. Tu peux Parce que, énormément t'aider toi-même, en fait. et ouais, parce que toutes ces parties-là, elles sont investies ce qu'on appelle les fameuses intentions positives, y compris dans les pires comportements. Il y a toujours une attention qui est très positive pour notre préservation derrière. La L'enfer préservation. est plein de bonnes intentions, comme on dit. Et c'est exactement ça. Eh ben, écoute, je me réjouis. J'espère avoir la chance de pouvoir vivre cette expérience avec toi. Ça Mais je t'en prie, je veux. va être mis en place quand ces conférences, tu l'as peut-être dit, j'ai pas retenu, ou c'est pas en place? Je t'ai toujours. Non, les réservations, elles sont déjà dispo sur le site d'ABC Talk. Et pour l'instant, il y a 4 dates. Il y a quatre Alors, les dates. dates, je ne pourrais plus vous les redonner. Par contre, je sais qu'il y a Rennes, Béthune, Paris et
Rennes, Béthune, Marseille, Marseille, Marseille. Marseille, ok. Oui, puis tu as raison, je suis toujours en train de mouliner là-haut. Mais ça, si tu repères ça, c'est que tu fais ça aussi, toi, non? j'adore observer, j'adore regarder. Ouais. C'est rigolo parce que j'essaie de choper aussi en t'observant le petit truc ou je sais pas, c'est pas la faille, mais voilà, une porte d'entrée. Mais c'est rigolo parce que les thérapeutes sont très forts aussi, ou peut-être les psys encore plus, pour pas tout montrer, j'en sais rien. Je t'observe, mais t'es en trop Qu'est-ce que petit. tu veux voir de moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux voir? C'est trop petit, attends, je te mets en plus grand. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Dis-moi. Non, mais je déconne parce que tu te livres aussi avec beaucoup de sincérité et puis de simplicité. Donc c'est pour ça qu'il n'y a sûrement pas. Alors peut-être, tiens, si je vais te poser la question, est-ce que tu penses aujourd'hui, avec tout le travail que tu as fait, parce que c'est un travail sur soi qui est quand même vaste et conséquent, est-ce que tu sais que en toi, ou tu sais de toi, qu'il y a un truc que tu n'as vraiment jamais exploré parce que ce serait vraiment. Peut-être ou pas prêt, ou vraiment encore plus sombre justement que ce que tu peux imaginer. Est-ce que tu le sais sans forcément le nommer, hein? Je suis vraiment allée très loin. Vraiment, Ah ouais? tu vois, j'ai les fondations, j'ai tout pété. Après, par exemple, l'inconscient, c'est tellement vaste et désordonné que te dire, mais non, moi, mon inconscient, je le connais par cœur, ce serait complètement mensonger. Et j'espère avoir encore des choses à découvrir de moi. Et vraiment, j'ai pas peur de ma noirceur parce que j'accepte en fait qui je suis. Ça ne veut pas dire que j'en serais fière, hein, mais on n'est pas peur. J'espère, je pourrais pas te dire si c'est sûr, mais j'espère qu'il y a encore des choses à découvrir à l'intérieur, qu'elles Après, il y a soient aussi bah, tout ce qui va premièrement positives comme négatives. ouais. Et après, il y a tout ce qui a été refoulé et que tu verras jamais et que c'est très bien aussi, hein. L'idée n'est pas d'aller tout chercher. Créons-nous de nouveaux traumatismes. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis hyper vigilant là-dessus. Mais en tout cas, de ta connaissance, de ce que tu as vu, observé, tu as le sentiment quand même d'avoir. Bah, tu sais, j'ai un fonctionnement cérébral qui n'est pas forcément mon meilleur ami, c'est que je suis hypermnésique. C'est-à-dire que je me souviens de tout depuis que j'ai 1 an et demi. Mais de tout, Ah ouais. tout. J'ai très très bonne mémoire. Donc c'est en ça que je te dis que j'ai exploré énormément de choses. Et quand je dis que c'est pas forcément cool, c'est parce que j'aurais voulu refouler certaines choses. J'aurais voulu, tu vois, être un peu dans le déni sur certaines choses et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comment Donc, ça se passe comment l'explique la partie psy chez toi aussi, ça? Comment c'est possible de. C'est comme s'il n'y avait pas grand-chose de refoulé finalement. C'est assez incroyable, ouais, tu sais pas trop mémoire. quoi. Bah, tu sais, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de mémoire et d'autres qui en ont beaucoup. Bah, je fais partie de ces personnes-là, mais je t'avoue que ça m'aurait, surtout plus jeune, arrangé d'avoir une mémoire plus light, puisque je pouvais, ces souvenirs étaient mes persécuteurs, par exemple. C'est ça peut-être aussi qui a amené un travail autant en profondeur, parce que c'est tellement présent dans ma tête qu'il y a un moment, j'avais besoin de créer cet équilibre pour ne pas être dans ce que moi j'appelle le passé divinatoire et dans cette fuite du passé qui m'empêche de me projeter et qui m'empêche de m'ancrer dans l'instant présent. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu ce travail purement de fond. Mais non, tout est là. Tout est. Ouais. Bon, alors c'est pour ça que je vois pas trop de failles, alors c'est que c'est bossé quand même pas mal. C'est bien compensé d'un peu partout. On n'a pas parlé, et je vais pas t'occuper encore beaucoup, beaucoup de temps, mais j'arrive pas à me séparer, moi, quand c'est passionnant, c'est terrible. J'arrive Mais pas à moi, me je te séparer. comprends. Hein. Ouais, mais bon, tu sais que, enfin, ouais. Ok. Non, mais je vais pas te virer, mais je me dis toujours que les gens. Mais tu vois, ils ont des trucs à faire, quoi. Ils ont peut-être des trucs demain à préparer. Ils sont peut-être fatigués. Il faut qu'ils aillent se reposer. Enfin, tu vois, je suis assez respectueux du temps quand même qu'on consacre et c'est déjà génial. On n'a pas beaucoup
poser, en tout cas, la partie de toi plus médium. C'est vrai. Ouais, parce que ça m'intéresse aussi, cet aspect. Enfin, je pense que ça intéresse toutes les personnes qui sont là. Pareil, ça t'a pris quand, cette affaire ? Est-ce que tu es arrivé au monde avec ça ? Est-ce que ça a toujours été là ? Est-ce que ça... Ouais, voilà. J'ai toujours été comme ça. C'était... Même moi, j'étais persuadée que j'étais folle, hein, petite. Ouais. J'étais harcelée à l'école à cause de ça. Parce que je voyais... Mais mon père m'a même rendu voir un psy, hein, parce que... Alors qu'il est lui-même médium, c'est tellement drôle, tu sais, le refus de voir l'effet miroir. Quoi. Non. Et non, je voyais des gens que les autres ne voyaient pas, je savais des choses que je n'étais pas censée savoir. Ça a toujours été là. Je l'ai très, très mal vécu jusqu'à mes 18 ans, où mon père, en me racontant une histoire, une petite histoire, m'a fait comprendre que j'étais comme lui, parce que mon père, quand il était plus jeune, il faisait tourner les tables et tout. Tu me crois qu'il me l'aurait dit? Ça aurait été plus simple. L'effet miroir. Il voulait pas voir ce que lui a vécu au travers de ma propre expérience, en fait. Et elle est toujours là aujourd'hui, alors... je vais essayer de ne pas pleurer parce qu'à chaque fois je pleure, mais ma médiumnité pendant une dizaine d'années, moi je l'ai mis en stand-by quand mes grand-mères sont décédées. Parce que mes grand-mères, c'était mes piliers émotionnels féminins quand j'étais petite, et quand elles sont décédées, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds, en fait, que je n'allais pas pouvoir continuer à vivre sans elles, et je les sentais de l'autre côté. Mais si je leur parle de l'autre côté, ça veut dire qu'elles sont mortes, mais moi je voulais pas qu'elles soient mortes. J'ai vraiment mis énormément, j'ai jamais réussi à couper totalement, mais c'est des trucs tout bêtes. Quand je donnais des conférences sur la médiumnité, le lendemain j'avais une otite de l'espace. Quand je faisais d'autres médiums, ils disaient: oh là là, mais il y a deux dames auprès de vous, elles disent qu'elles sont là. Je disais: non. Et puis au bout de 10 ans, je me suis dit: bon, ce serait peut-être temps de les laisser partir, parce que également elle me manquait beaucoup. Et du coup, vu que je voulais créer un oracle pour aider à développer les capacités de médiumnité, je me suis dit: de toute façon, sans capacité, avec des capacités de médiumnité au fermé aux trois quarts, il ne se passera rien. En fait, je ne pourrais pas le créer, cet oracle-là. Et donc, j'ai décidé de réouvrir la porte à totalement ma médiumnité, et donc j'ai ressenti l'énergie de mes deux grands-mères, et c'est un de mes oracles préférés, parce que pendant 10 ans ça a été long, elles m'avaient énormément manqué, et j'ai ressenti tout leur amour, je ressentais même leur odeur, tout ce que tu peux vivre de façon médiumnique, et cet oracle-là je les ai créés avec elles. Et aujourd'hui ma médiumnité, je ne cherche pas forcément à la développer, ni forcément à la contrôler, mais parce que je lui fais confiance, que ce soit ces trucs tout bêtes, mais par exemple en conférence, il y a toujours quelqu'un qui va me dire: ah, il y a quelqu'un qui est passé devant toi. Il y a une entité chez moi où elle passe, surtout qu'on a fait des travaux, donc, mais elle ne me dérange pas, elle ne baisse pas le taux vibratoire, elle ne m'empêche pas de dormir, mon fils n'a pas peur, mes chiens ne sont pas malades, tu vois, elle est... qui reste là. Moi je suis pour le vivre ensemble. Tu sais, les chasseurs de fantômes à tout prix, je suis pas pour. Pourquoi? Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a vécu dans la maison il y a 200 ans, pourquoi ma maison, ça serait plus la sienne? Parce qu'en fait, il n'y a pas de haut et de bas. On vit toutes et tous ensemble, juste on a différentes couches énergétiques. Donc ça se trouve, dans une autre couche énergétique, la maison, elle n'est pas du tout comme ça. Juste on est au même endroit, au même moment. Pourquoi j'irais le virer? Parce que si lui, il s'amuse à me virer, moi, je ne serais pas contente. Parce que... Non, mais les entités, on les voit comme des fantômes, mais ça se trouve, nous, on est leurs propres fantômes, on n'en sait rien. Donc, moi, je suis pour le vivre ensemble. Et puis, quand je reçois des messages importants, ou quand je vais dans des lieux, tu vois, tout de suite, je m'en vais. Voilà, maintenant, je lui fais entièrement confiance à cette médiumnité. Ça, c'est naturel. J'ai retrouvé ce côté naturel que quand j'étais petite, tu vois, je disais: ah, tata, elle est morte. Non, Isabelle, si, je te dis qu'elle est morte.
Et tout ça, vite après, tu as le téléphone qui sonne et ma tante était décédée. Tu vois, c'était naturel, c'était normal. Et j'ai retrouvé ce côté un peu naturel, quoi. Alors, on va sûrement me poser la question dans le chat, donc je l'anticipe. Peut-être pas du tout se poser. Peut-être que moi qui... comment tu t'es débrouillé pour ouvrir le canal? Comment ça s'est fait? Parce que tu as dit, hein, j'ai rouvert cette capacité, en fait. Est-ce que, voilà, si tu as quelque chose à dire... En fait, c'était un soir, alors, parce que je savais pourquoi je l'avais bloqué, cette capacité-là. C'était un soir, je me rappelle en plus, mais vraiment cliché, hein, j'habitais dans le Jura à cette époque-là, c'était une nuit d'orage, mais aller vivre des orages dans le Jura, ça va pas ou quoi? Moi, je préfère les orages normands, c'est beaucoup plus light, hein. Et c'était une nuit d'orage et en fait, coupure d'électricité. Elle est blanche, évidemment. Et je me suis mis au milieu. Puis pareil, nous ici, c'est des micro-coupures. Là-bas, c'est 20 minutes, une demi-heure dans le noir. J'aurais pu jamais vivre dans le Jura. Jamais! On m'a traumatisée. Et donc, je dis, foutu, parce que moi, en plus, j'ai peur du noir. Donc, je me suis dit, foutu. Vu que là, je suis terrorisée, autant faire quelque chose qui me terrorise aussi. C'est-à-dire accepter le décès de mes grands-mères. Et donc, je me suis mis au milieu de mon salon. Et en fait, j'ai fermé les yeux, j'ai mis la main sur le cœur et en fait, j'ai pensé à elle. J'ai pensé à elle parce que c'était à cause, entre guillemets, d'elle que j'avais fermé. Et donc, je les ai visualisées, je me suis remémoré des souvenirs d'enfance, etc. Et en fait, plus je faisais ça et plus j'avais chaud et plus je ressentais un amour profond. Et ma grand-mère, surtout une, adorait l'odeur de la rose. Et ça sentait la rose, mais partout, partout, partout. Et c'est comme ça qu'en fait, le canal c'est ouvert. Mais si on n'a pas un lien d'attachement de l'autre côté pour ouvrir ses capacités ou travailler ses capacités de médiumnité, alors déjà, d'une part, on s'ancre. L'ancrage, c'est hyper important. Donc, méditation en pleine conscience, tu peux t'aider à travers de pierres. C'est pas parce que tu mets une pierre dans la poche que tu es ancré. Ça peut t'aider dans ton travail. Donc, les pierres noires, marron ou brunes. Non, noires. Marron ou rouge. Et donc, bien l'ancrage, un endroit où tu te sens bien. Et puis, soit c'est donc méditation basée troisième œil coronal, des méditations guidées. Je ne sais pas si toi, tu proposes des hypnoses par rapport à ça aussi. Ça peut aider. Quelques-unes. Ça peut être aussi de travailler avec des outils, que ce soit oracle, tarot, rune, pendule. Et surtout, d'être à l'écoute de ses ressentis et faire aussi très attention à ses rêves. Lorsqu'on a peur, tu sais, parce qu'en plus, on est blindé des films où t'es ghost, t'as le fantôme qui arrive devant toi et tu veux... Donc, très souvent aussi, on peut fantasmer un peu les contacts qu'on a avec les entités. Donc, faire très attention à ses rêves parce que ça peut aussi se manifester pendant les rêves et tu vas avoir beaucoup de contacts pendant les rêves et bien tenir un carnet de ressentis pour voir aussi ce que tu as ressenti, les événements qui se sont passés, etc. Et surtout, être engagé. Si tu fais que le dimanche soir quand il pleut, bon, en Normandie, tu le feras souvent. Mais si tu fais que le dimanche soir parce que tu t'ennuies et parce qu'il pleut, tu n'auras pas de résultat. Il y a un vrai besoin d'engagement dans la pratique, le faire régulièrement, en fait. Dans tout ce que tu as dit, est-ce qu'on peut considérer qu'une clé fondamentale, mais parce que toi, tu l'as vécu comme ça, est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'un peu universel? J'en sais rien. Il est question d'amour dans cette histoire. Alors, on a dit au tout début, enfin, moi, ça me fait un peu chier, parfois, tout n'est pas paix et amour, mais dans cette histoire... Ça existe quand même. Là, quand même. Fondamentalement, par le cœur et cet amour profond, et tu l'as dit très, très bien, que tu as ressenti à ce moment-là, enfin, c'est dans le cœur que ça se passe, quoi. C'est pas ailleurs que ça se passe. Bon, je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas que de l'amour en nous et dans notre monde que ça réduit la puissance de l'émotion et de l'énergie d'amour. Donc, se concentrer sur soi, mais c'est créer son bien-être. Enfin, tout à l'heure, on parlait du shadow work, de créer son bien-être. Mais c'est quoi? C'est un acte d'amour envers soi pour ensuite partager cet amour avec les autres. Donc, ça reste notre essence de base. Tu vois, tu parles d'amour, tout de suite, tu souris. Au niveau corporel, quand tu ressens l'amour, ça fait quoi? Ça fait ouvrir les bras. On est des êtres interactionnels. Par exemple, on ne sécrète de l'ocytocine qu'en touchant des gens qu'on aime, tu vois, mais même pas des objets, des gens. Tu la secrètes que comme ça, cette hormone-là. On n'est pas fait pour vivre seul, on a besoin de partager avec les autres. Donc oui, on a besoin d'amour, évidemment, je suis complètement d'accord.
On a besoin d'actes d'amour. Et on a cet amour puissant en nous. Le but, c'est d'aller chercher en créant un équilibre. Oui, c'est ça. C'est Est-ce qu'on est à l'équilibre d'ailleurs? Est-ce que ça existe ou est-ce que on vit en permanence des déséquilibres qui font que ça, ça crée un équilibre. Ça crée une forme. En fait, ça fait ça. Mais regarde, ça tombe pas. Tu sais, comment on faisait ça? Tu sais, moi, je me cassais toujours la tronche. Tu sais, on faisait ça là en cours de PS. Des trucs comme ça où tu te mettais. Tu sais, il y avait une espèce de. Je suis nulle. Hein. C'est une boule. Non, tu sais, il y avait une planche sur une espèce de cylindre. On se mettait dessus. Et il fallait trouver l'équilibre, tu sais, les pieds, là. Ouais, ouais. Là, c'est ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Mais n'empêche qu'il y a une forme d'équilibre qui s'opère, ouais. Ça, c'est génial, hein. C'est vraiment de s'accepter, je trouve, dans ces déséquilibres-là, profondément. En plus, c'est génial, il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à choisir. Et d'embrasser. D'équilibre, d'adaptation et de se laisser traverser. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment les trois clés. Parce que pareil, très souvent, on peut attendre que l'extérieur soit parfait. Ou on peut avoir ce que moi, j'appelle le syndrome du bon élève. C'est-à-dire, tu vas énormément travailler sur toi et tu vas dire, voilà, maintenant, il ne pourra se passer que des bonnes choses. Sauf que c'est, pour moi, ça revient à dire, je ne suis que paix, amour et lumière. Ce n'est pas vrai. Donc, le but, c'est de travailler sur soi, de se connaître, d'être honnête et authentique, de travailler tant ses capacités spirituelles que, par exemple, aller chercher sa partie sombre pour pouvoir mieux s'adapter à soi et au monde. Tout est une question d'adaptation. Le monde ne sera jamais parfait, on ne sera jamais parfait, mais on peut trouver du bonheur à l'état pur, de l'amour à l'état pur, de la joie à l'état pur, de la gratitude à l'état pur, et choper, les ressentir à fond, en profiter, et ensuite continuer à s'adapter. Chers amis, on va finir avec deux, trois questions. Assez direct, enfin, démerdez-vous, posez des questions. Le gars qui lâche prise. On peut plus. Ça fait une heure et demie que je tiens. C'est exactement ça. Il y a plus de prise. Posez-moi vos questions, enfin surtout à Isabelle, je ferai le lien. Pour finir ce live, parce que le temps passe à une vitesse qui est folle. Je ne comprends pas ce qui se passe, moi, avec le temps. Il y a une espèce de compression spatio-temporelle. Je ne comprends plus rien. Mais avant cela, j'avais une question quand même assez fondamentale. On parlait de ces fameuses formes d'équilibre, de déséquilibre. Alors, excuse-moi, là... Oui, il y aura un replay, parce que la première question qui arrive, c'est est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je suis désolé. Une question technique, oui, il y aura bien sûr un replay. Est-ce que toi, il y a encore des sujets sur lesquels tu te sens pas dans cette forme d'équilibre, ou tu penses qu'il y aurait besoin d'aller chercher encore un petit peu cette part qui te mettrait à l'équilibre? Est-ce qu'il y a encore des zones un peu casse-gueule, des zones où tu ne tiens pas sur la planche? Bah, regarde l'anxiété sociale, où je continue à la travailler à fond, mais mes relations. Avoir des relations, c'est pas du tout ma zone de confort. Moi, ma zone de confort, c'est l'évitement. Donc, c'est quelque chose encore où j'apprends à être dans l'équilibre. Répondre quotidiennement aux messages, c'est pas du tout ma zone de confort. Et il n'y a pas du tout d'équilibre. Il y a des jours où, oui, il n'y a pas de problème, et d'autres où je vais regarder des trucs et je vais me sentir totalement paralysée. Donc ça, tu vois, l'équilibre n'est pas encore là et je travaille encore. Et pour ce qui est de l'anxiété, le fait justement d'aller à la télé, de faire des conférences, c'est une façon d'appuyer l'autre pied sur la planche en conscience. Ouais, c'est ça. En conscience. Et en profitant du moment. Et en regardant ensuite, mais ça n'existe pas, donc on verra. Ça n'existe pas encore. Tu sais, maintenant, je suis dans le fait de se soucier de quelque chose qui n'est pas encore là, c'est on verra quand on y sera en fait. Et comme tu dis, le temps il passe tellement vite qu'on y sera bien assez vite. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur par rapport à ça. Mais oui, voir après comment ce que ça va m'apprendre et que c'est, tout ça. C'est quoi le nom de l'oracle pour la médiumnité que tu as créé avec? C'est l'oracle de la voix des âmes. Tu l'as en plus? Tu l'as montré tout à l'heure. Oui, je l'ai montré. Ouais, c'est vrai, c'est celui-ci, la voix des âmes. Attends, je vais m'en mettre en plus gros quand même. Toc. Puisqu'on ne peut pas le voir sur ton site. Ou sinon, je peux dire comme toi, tout à l'heure, bah, démerdez-vous.
J'ai hâte, je crois que ce moment-là, je vais me le passer en boucle, je l'adore. Parce que j'arrivais pas à articuler et à poser la bonne question. J'ai dit, bon, c'est bon. Hein. J'adore, c'est trop bien. Non, je suis trop fan. Merci en tout cas pour l'intérêt, c'est gentil. Mais c'est ce que je suis aussi, hein, c'est clair. Hein, mais j'essaie de me contenir pendant les lives quand même. Mais sinon, dans mes vidéos où je suis tout seul, y a un peu moins de. C'est pas des filtres, ouais, j'essaie d'être un. Bah, on se connaît pas non plus tant que ça, quand même, on peut pas dire ça. Donc, c'est vrai, je suis toujours. Oui, tu connais ta voix par cœur. J'ai l'impression de te connaître par cœur. C'est horrible. Bah non, parce que t'as, pour moi, ta voix est source d'apaisement. Parce que je sais pas si je l'ai dit pendant le live, mais tes méditations et surtout tes hypnoses, je les écoute, mais vraiment, ça doit faire au moins. Ça fait 10 ans que t'as ta chaîne, parce que ça, je crois que ça fait plus de 10 ans. Ouais, 10 ans, ouais. Et c'est mon rituel pour m'endormir. Je mets une auto-hypnose de Frédéric. C'est pour ça que quand tu m'as invité, j'ai dit mais bien sûr, parce que ta voix, pour moi, elle est signe d'apaisement, en fait. T'es la dernière voix que j'entends avant de m'endormir depuis plus de 10 ans. C'est incroyable, mais moi, je ne savais pas tout ça. Bah oui. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un message, j'étais mort de rire, d'une personne qui me disait que la manière dont je parlais, c'était horrible pendant les séances d'hypnose avec cette voix traînante, insupportable. Et que j'avais pas besoin de faire ça, mais je lui ai répondu que le problème, c'est la transe, c'est pas moi. C'est quand je suis dans cet espace de transe, je fais comme je peux, quoi. Et c'est vrai que j'ai une voix qui est forcément un peu différente. Parce que je suis très rassurante. Et comme je te l'ai dit, j'ai filé ta chaîne à je sais pas combien de personnes en disant écoute, même pendant mes lives, écoutez, allez voir sa chaîne. Parce que moi, ta voix me rassure. Et même quand ça s'arrête, parce qu'en plus, tu cherches le calme. Quand ta voix, elle commence à devenir voilà, plus lente, plus profonde, ouais. Je vais réécouter ce soir. Donc, de toute façon, moi, je suis fan, j'adore. C'est gentil, merci. Merci infiniment. Alors, quand la voix est plus traînante ou quoi, c'est que moi, j'ai décollé. Hein. Je ne suis plus là non plus. Et que ma voix a du mal à passer dans la matière, mais c'est drôle. Je m'amuse avec ça, en tout cas. C'est un vrai bonheur. Mais merci, en tout cas, d'être à l'écoute, c'est toi qui fais en sorte que sa chaîne existe toujours. C'est toi qui m'écoute le soir, du coup. Il y a une personne qui m'écoute chaque soir. C'est toi. Oh putain, c'est drôle. Bah écoutez, on doit être tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Ou alors, ils sont timides, je ne sais pas trop. Moi, je vais finir, en tout cas, pour mes questions à ton égard, même si j'en aurais des milliards d'autres. J'aime beaucoup j'aime beaucoup ta vision, en fait. On a dit tout à l'heure, et au début de ce live, entre autres, qu'on vivait un instant de chaos, parce qu'au fond, je trouve que c'est le terme qui irait bien. On avait l'air d'être d'accord sur ce terme de chaos dans le monde. Hein, je ne vais pas redresser un portrait de ce qui se passe autour de nous. Il y a suffisamment de chaos. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, depuis des années, je l'attends d'une certaine façon. Alors, c'est la forme qui me gêne. Évidemment, je suis sensible à cette forme de chaos. C'est horrible. Moi, je comprends que tu attends un changement fondamental, en fait. C'est ça, tu attends un changement important. Je l'attends depuis des années, ce chaos. Parce que, qu'est-ce qu'on doit en attendre? Est-ce que tu as un regard là-dessus, une vision, une médiumnité? Je ne sais pas. Est-ce que de ce chaos va renaître quelque chose de nouveau? Faut-il être en confiance? Faut-il être serein? Est-ce qu'il faut cesser traverser? Après, la vie, elle est faite de cycles. C'est-à-dire que depuis l'histoire de l'humanité, tu vois, par exemple, même l'histoire de la Terre, il y a toujours eu une ère, son expansion, sa destruction. Une ère, une expansion, sa destruction. C'est comme ça, c'est des cycles. Tu as des cycles de paix, tu as des cycles de guerre, des cycles de santé, des cycles de maladie. Là, aujourd'hui, de toute façon, la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à aller dans cette direction-là sans que les choses changent? Je ne crois pas. Tout le monde souffre. Les êtres humains souffrent, les animaux souffrent, la Terre souffre. Tout ça pour des intérêts économiques, en plus, qui nous dépassent. La bourse, ça nous dépasse. Tout ça, ça nous dépasse. Donc, du moins, c'est plus gérable. Donc, on va vers un grand changement. Alors, pas le truc de l'ère du Verseau et machin et tout le monde y va être gentil et merveilleux. Mais je pense qu'il y a un besoin d'un changement. De toute façon, on fonce dans le mur, là.
Et si on est purement concret, que ce soit le GIEC, etc., par rapport au réchauffement climatique ou au dérèglement climatique, le mur, il est là. Et on est en cinquième, et c'est vite, on arrête quand? Mais t'es sûr que là, si on s'arrête, c'est pas dangereux? Donc, on a besoin de changement, il y a besoin de décroissance, il y a besoin de calmer le rythme, en fait. Il y a un grand besoin de calmer le rythme. Et moi, j'ai une très grande confiance dans les nouvelles générations qui sont très maltraitées, malheureusement. Hein. On parle quand même presque de générations sacrifiées. Et du coup, presque, ça crée une colère. Ça va créer une colère, ça va créer une rage et ça va créer une pulsion de vie. Donc, j'ai confiance en nous, mais j'ai aussi confiance dans les nouvelles générations. Et tout n'est que changement. Et je te dis, destruction et reconstruction. C'est la théorie du phénix, en fait. Donc, le feu... Alors, c'est drôle que je te dis ça, parce qu'en plus, ma maison, elle a brûlé il y a 6 ans. Mais le feu ne me fait pas peur, parce que des flammes renaîtra le phénix. Ouais, t'as l'air... et je partage cette vision, t'as l'air d'être vraiment en confiance, quoi. Et c'est marrant de dire ça, mais même assez tranquille, tout en étant en cinquième vitesse et à foncer dans ce mur, quoi. Ah, je me concentre que sur ce que je peux contrôler. Je suis pas géopoliticienne, je suis pas présidente de la République, je suis pas médecin. Je me concentre que sur ce que je peux contrôler, donc mes actions à moi, ce que je peux apporter de positif aux autres. Et le reste, bah, vu que je ne peux pas le contrôler, bah, je le laisse de côté, en fait, parce que je ne peux pas contrôler ça. Donc, j'agis vraiment à mon échelle. Et c'est peut-être ça, en fait, qui te tranquillise. Ça ne veut pas dire que je ferme les yeux sur l'actualité, mais je ne vais pas aller me broyer les entrailles ou le cerveau sur des choses que ça se trouve. Je comprends qu'un centième, parce que c'est important de se réconcilier avec le « je ne sais pas ». Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des experts partout. Il y a des choses sur lesquelles j'en sais rien, tu vois, par exemple, la géopolitique, mais j'en sais rien, je sais pas. Donc il y a des choses sur lesquelles je sais pas, et donc je me concentre sur l'impact que ça a sur moi, donc sur ce que je nourris en moi et sur moi, ce que je peux faire à mon échelle. C'est peut-être ça, du coup, qui me tranquillise. C'est Christophe Lévesque qui me fait beaucoup rire quand il dit qu'il y a des experts en expertise. On a des experts en Covid, on a des experts maintenant sur les conflits géopolitiques, etc. Ouais, c'est assez drôle. Ok, ouais, c'est facile finalement, c'est cool. On respire, on reste dans le mouvement, parce que je crois que ce qui revient aussi beaucoup dans ta vision des choses et dans ta manière de faire, c'est de ne pas figer. Justement, c'est ça, dans le mouvement, dans la vague. On est Bryce de Nice, on surfe, quoi. Non, on cherche la vague. Bryce de Nice. Oh, c'est con de finir là-dessus. Et pourquoi pas, on pourrait être fou. Et ce serait très bien comme ça. En tout cas, les amis, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le site. Il marche pas. En plein live, nous a montré qu'effectivement, il y avait... Mais en tout cas, voilà, là encore, c'est une vague. Tes équipes sont en train de travailler dessus pour le rendre encore... pour qu'il ait la meilleure version de lui-même. On va faire ça. C'est drôle, c'est facile, c'est petit. Mais en tout cas, je vous mets le lien aussi vers ce site, que ce soit sur le chat, les amis, ou dans les commentaires si vous êtes sur Facebook. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et puis, bien sûr, tu es mais vraiment assez présente, tu es très présente hein, sur les réseaux. On te voit partout. Enfin, ou alors c'est moi, je ne sais pas. Tu me stalks. J'ai l'impression de te voir le matin, midi et le soir. Non, j'aime beaucoup. Plus le matin, par contre. Non, pour ma santé mentale et pour ne pas être tout le temps sur les réseaux, c'est vrai que j'ai un contenu régulier quand même. Parce que moi, c'est toujours aussi important. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, merci, ça me fait du bien, ça me fait rire. » Ouais. J'essaie vraiment d'apporter une petite bulle d'air frais. Chaque matin, je la mets et tu t'en sers ou tu t'en sers pas. Mais non, tous les matins, ouais, je crée du contenu, je poste mon contenu. Ouais, non, mais c'est cool. Derrière justement cette bulle de légèreté dont tu parles, il y a du fond, et c'est ce que j'aime bien. c'est beaucoup plus agréable d'avoir des gens qui sont consciemment compétents en étant très légers,
plutôt que des experts en expertise qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Il y en a beaucoup plus malheureusement sur les réseaux, donc merci de faire cette qualité sur, sur tous ces espaces, des espaces de diffusion, parce qu'aussi c'est des médias sur lesquels il y a cette liberté de pouvoir le faire quand même. Hein. Bah, cool. Merci de me regarder, parce qu'il y a ce que je propose et ce qu'on en fait, donc merci beaucoup. Bah, il y en a au moins un qui regarde, tu vois. C'est comme toi sur... Si tu regardes mes contenus, moi je regarde ta chaîne le soir. Dis-moi un live, je dis, bah maintenant je saurais qui c'est. En tout cas, Isabelle, vraiment un immense merci. J'espère ne pas avoir abusé de ton temps. Tu m'avais prévenu et puis tu l'as redit là, pendant ce live. En général, je fais un petit peu plus court, mais là, j'avais vraiment envie et je me réjouissais d'aller explorer un petit peu plus ta mécanique de pensée, ton système de pensée, ta vision. Tu nous as donné plein de conseils aussi pratiques. J'espère, les amis, que vous allez pouvoir vous délecter de... Et si ça vous parle, hein, d'une mise en pratique, ce n'est pas parce que Isabelle ou Frédéric qui peuvent vous dire que c'est génial qu'il faut absolument le faire. Je précise. Vous avez même le droit de ne pas être d'accord. Ça fait chier l'ego, mais ils ont le droit de ne pas être d'accord. Non, parce que pour moi, la richesse, elle est dans la différence. Donc d'ailleurs, expliquer pourquoi. Comme ça, ça peut nourrir des réflexions et c'est hyper intéressant. Exactement. Donc le mot de la fin te revient. Alors, je ne sais pas s'il reste encore. Toi, tu pourrais tenir des heures et des heures, tellement il y a de choses à dire sur notre fonctionnement. Mais voilà, j'aime bien laisser mon invité clore le sujet. On a fait Bryce de Nice, on va essayer de... Alors, je peux lever le niveau ou pas. Tout est possible. Ou pas. Parce que très souvent, quand je dois clôturer une prise de parole, il a peur. Je cite un philosophe qui est blond, aux cheveux longs, et qui a dit une célèbre phrase qui est « Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. » Et le pire, c'est que j'adore. J'adore cette chanson. Mais cette phrase, moi, j'aime beaucoup. Bon. Merci Isabelle, les amis, merci infiniment de nous avoir supportés, de nous avoir écoutés. Ce live, bien sûr, sera en replay, évidemment. Vous allez être des milliards à le suivre, à l'écouter. Donc pour ça, merci. Allez faire un tour sur le site d'Isabelle, allez vous abonner. Mais c'est certain, déjà beaucoup fait sur tous tes sites, sur YouTube, sur t'es même sur TikTok. On aura tout vu. Non, c'est pas vrai. On a fait une récemment. En tout cas, merci du fond du cœur. C'était trop bien. Moi, j'ai kiffé ma life. C'est déjà ça. Et pour vous, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, hein, selon la formule consacrée. À bientôt. Merci beaucoup.